il est plus important que jamais de soutenir les médias véritablement indépendants. Bonjour, je m'appelle Julia Cagé, je suis professeure d'économie à Sciences Po Paris et présidente de l'association Un bout des médias. Aujourd'hui, le paysage médiatique en France est un paysage qui est abîmé. Vous avez des médias qui ont subi un nombre répété de crises économiques. À côté de ça, on a une concentration croissante du secteur entre les mains d'un tout petit nombre d'actionnaires qui ne respectent pas vraiment l'indépendance des médias ni le travail de leurs journalistes. Et pour les titres qui sont en difficulté économique, y compris en difficulté économique passagère, on n'a pas vraiment de système actuellement d'aide à la presse qui permet de les soutenir et de les appuyer. Donc dans ce paysage-là, aujourd'hui, il est plus important que jamais de soutenir les médias véritablement indépendants. C'est essentiel pour la démocratie. La démocratie, c'est une personne, une voix, mais les citoyens qui vont voter doivent être informés. Pour ça, on a besoin d'un pluralisme des médias, première condition essentielle. Et la deuxième, c'est des médias indépendants, notamment des médias où les journalistes peuvent faire leur travail dans de bonnes conditions, sans aucune intervention de la part des actionnaires, sans aucune censure et sans aucune autocensure. Donc si vous le pouvez, un premier geste à faire, c'est de vous abonner à la revue dessinée, c'est de vous abonner à tous ces médias indépendants. Si vous en avez les moyens, si vous pouvez faire un petit geste supplémentaire, faire un don à ces médias. Aujourd'hui, on en a absolument besoin parce que malheureusement, sans les citoyens, le seul modèle économique alternatif pour les médias, ce sont les milliardaires. Et ça, c'est pas vraiment un modèle d'indépendance et puis c'est pas un modèle qui est très bon pour la démocratie.